les membres de sécurité, etc., etc., deux fois elle fait formation. Donc, on comprend une opération pareille, et ça fait encore, on l'a deux, trois mois. Donc, ou déjà, on fait un an. Donc, à partir de ce moment, c'est vrai, son calendrier, mais calendrier, ça, pas qu'à entrer en application, pas avant qu'on ait préalable ça. Et ensuite, faut ou préparer, mettre à jour la liste électorale. Donc, depuis qu'on y a, ou t'es commencé avec la liste électorale, là, pour mettre à jour, et constitution fait obligation pour afficher l'issue dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote deux mois avant les élections. Donc, il y a un ensemble de préalables qui pour faire avant qu'on vive dans les gens que Nabila ouvrir vice et inscription des partis, inscription des candidats, etc. On peut pas faire avant. Donc, je pense que c'est un document, un point de départ, et moi dit que il y a des faiblesses là-dedans, des faiblesses côté que faut que ça gagne des réflexions et des accords entre les différents secteurs et de la vie nationale ou bien des acteurs et qui dans l'élection qui t'a pour permettre que nous capables de transformer ça en réalité. Voilà, donc c'est une proposition nous t'a cap dit qui est chargée avec bonne volonté et d'optimisme là-dedans, monsieur Bénodin. Bon, pour ça que monsieur Pradel se dit là, moi ouais que dans le détail, gagner une certaine faiblesse, mais en même temps tout, si vous regardez, si vous voulez créer un chevauchement entre différentes fonctions, ça y est, chevauchement veut dire que fonction ça prend place en même temps, ou gagner un effet que ou collapse ou mettre ensemble des fonctions qu'a fait simultanément, ça après réduit dans l'emploi du temps pour faire chaque activité ça. Ceci, est-ce que M. Chorguin l'a en tête, m'a connaît, bien que le détail que député a bail là, li bail yon chronologie de qui le y a pas abouti, mais monsieur pas dit qui le y a commencé, ni qui le, et nan qui, est-ce que toute fonction ça yo pral rentrer en jeu ensemble. Mais est-ce même, que... problème pam, c'est pas ça lié. Problème PAM, les sous-plans politiques et politiques purs. Les m'a gardé que nous gagnons un financement des élections. Il est clair que si j'ai financé l'élection à la fin de 2013, à la fin de 2014 et à la fin de 2015, l'ambassadrice américaine n'a pas besoin de dire que gagnons restrictions financières pour les élections. Si on restriction financière pour les élections, il faut que nous croyons qu'au maximum, c'est deux élections qu'a fait. Mais que par défaut, deuxième a fait à la fin de 2015. Ce qui veut dire que a bien deux périodes électorales, mais il y a une obligée faite à la fin de 2015. Le problème maintenant, c'est comment, pour qui le, pour faire première élection, on dit le premier groupe d'élection. Pour qui ça? Les vini yon point extraordinaire, un point cuisant. C'est parce que gagnent des moments côté que le Parlement capable vini inopérant et dysfonctionnel. Ceci est important. Mais en même temps tout, coïncidant avec la dernière session ordinaire des députés de la 49e législature, ou pour gagner tout, l'évaluation, est-ce qu'il y a lieu d'amender la Constitution? On nous dit, ouais, que l'ambassadrice américaine continue à faire pression toujours pour amender la Constitution, hein, pour qu'il réduit le nombre des élections. La réduction du nombre des élections, c'est le nivellement de tous les postes électifs à 5 ans, nous, on a. L'ENAP gade, tout bagaille ça, ou faites pour poser cette question, hein. Est-ce que faire de l'élection à la fin de 2013, pas exposer au qu'à la fin de 2014, qui sera la fin du mandat de la 49e législature, c'est le deuxième lundi du mois de janvier 2015. Donc, élection l'État gagné pour l'État fait en fin de 2014. Or, l'OAP gardé tout débat qu'a fait à propos du deuxième tiers du Sénat. Admettons que le deuxième tiers du Sénat, selon Jean Député a dit,
ta mandat t'a fini en même temps avec la 49e législature, si vous faites première élection en 2013, deuxième élection pour le faire en 2015, ou pour le rentrer dans le deuxième lundi du mois de janvier 2015, dans une situation qu'on a un parlement inopérant et dysfonctionnel, et par coïncidence, ou réciproquement, ou a gagné un exécutif avec les pleins pouvoirs dans Mani qui pourra organiser des élections présidentielles. Voilà, c'était un extrait dialogué avec États-Unis sous la voix de l'Amérique, ici, Washington. Eh bien, avant nous mettre fin dans le programme, nous avons rappelé au côté nous pendant le week-end, demain samedi et dimanche, et puis nous avons songé tout que demain samedi, nous avons un gros événement ici, dans Washington, pour commémorer l'anniversaire March Martin Luther King t'a fait, quand il t'a prononcé, un pigo disco dans Carrielli, disco qui est I have a dream, moins gagne un rêve. Nous avons plusieurs, commémoration, plusieurs activités demain et l'autre jour qu'a venir autour la voix de l'Amérique a sur place. Eh bien, non, équipe créole la voix de l'Amérique là, Ronald César souhaite nous passer un bon week-end. This program has come to you from the Voice of America.
toi et puis crier victoire, victoire, victoire. Nous, avec nous, je vous traite. Bon, David, lève et lancez.
Son nom est
pendant plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu. En toi j'ai mis mon espérance, Seigneur, et la promesse est accomplie. Tu m'as donné un enfant, tu as relevé ma tête, tu as essuyé mes larmes et consolé mon cœur. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton là. Joyeux.